Punaliwa. Kalumba yumba, Kalumba yumba, Merci de votre fidélité sur Congo Live. Nous sommes le jeudi 5 septembre 2023. Monsieur Placide Itula avec nous ce matin. Placide, ça marche? Ça marche en tout cas très bien. Ça va bien. Je suis tellement content. Ça se passe bien à Goma. En tout cas, ça se porte à merveille. Sauf aux environs où ça tient. Oui, il y a la calmie présentement. Et ce qui nous enjaille, c'est le fait que nos compatriotes résistants Wazalendo, donc dans les pourtours de la ville de Goma, sont en train d'infliger une correction sérieuse aux terroristes du M23, ici en province du Nord Kivu, dans les territoires de Masisi et même dans les territoires de Nyiragongo. Nous apprenons ce matin, il y a une reprise des affrontements. En même temps, il y a Kichanga qui est déjà sous contrôle de Wazalendo. Hier, il y a eu plusieurs zones qui sont passées entre les mains de Wazalendo. Décris-nous la situation d'hier et de ce matin, monsieur. Ce qu'il faut savoir, il y a plusieurs localités dans le territoire de Masisi, donc au pourtour de la cité de Kilolirwe, qui sont passées, effectivement, comme vous venez de le dire, sous contrôle de nos résistants Wazalendo, les patriotes. Et à part ça, les M23, au travers leur ruse, cherchaient maintenant à créer une diversion. Et cette diversion, c'est là où ils ont voulu aussi déborder dans les territoires de Nyiragongo. Ils n'ont pas voulu, ils ont débordé dans les territoires de Nyiragongo, précisément vers Mutao, dans les collines juste derrière Mudja, hein, à Monta comme ça. Vous allez voir, partout là-bas, les rebelles du M23 cherchaient à créer une diversion. Donc, je dirais, ils ont créé des fronts au même moment pour distraire nos compatriotes Wazalendo se trouvant dans les Masisi, ainsi provenir vers Mutao pour voir comment ils peuvent chiter dans la ville de Goma. Malheureusement, de leur part, comme nous venons toujours de le dire, et c'est là où nous sommes en train toujours de féliciter la population qui continue à fournir des éléments, des renseignements fiables par rapport à tout ce qu'il y a comme mouvement des rebelles du M23. Donc, pour dire, la population, elle est tellement aux aguets, la population, elle est aux alertes. Et c'est pourquoi, vu cette vigilance, tellement nos compatriotes Wazalendo ont fait, je vais dire, une ceinture par rapport à toutes les entrées de la ville de Goma, les rebelles du M23, en cherchant à faire la malignité dans les territoires de Nyiragongo, se sont retrouvés devant un bloc des compatriotes résistants Wazalendo. Là aussi, on les a corrigés sérieusement. Et pour nous, c'est déjà des indices qui montrent à suffisance le déclin de cette rébellion du M23, partant de leur plan qui a été conçu depuis, je dirais, plus de 25 ans, et ça ne marchera jamais. Vous parlez de Wazalendo, où sont les militaires congolais? Les militaires congolais sont là. Et allez-y comprendre, il y a une résolution diplomatique
qui doit être suivi scrupuleusement. Et c'est pourquoi il faudrait toujours que nous puissions prendre en témoin la communauté internationale en leur montrant que le problème n'est pas du côté congolais, mais le problème c'est du côté du Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui essaie un peu de s'entêter, qui joue à la ruse, certainement, il sait très bien qui est derrière lui. Et pour ça, ils outillent les rebelles M23 en cherchant à provoquer, en cherchant à gagner encore certaines entités dans la province du Nord Kivu. Et pour nous, du côté de nos FARDC, c'est une façon aussi de montrer et de vouloir arriver jusqu'à un niveau où la communauté internationale, au travers de toutes ces résolutions, allais-je dire, ne saura pas dire un mot. Parce que, donc, il faut arriver jusqu'à la fin du mensonge et de la ruse de la communauté internationale, au point où cette même communauté internationale ne trouvera plus des arguments pour essayer un peu de chercher des solutions palliatives et diplomatiques lorsque le gouvernement congolais les a laissés au moins un temps quand même suffisant pour trouver la solution avec leurs partenaires, notamment les Rwandais et l'armée rwandaise qui se déguise en M23. Donc nos FARDC sont toujours en état d'alerte et elles sont là. Mais on a suivi le communiqué de l'armée qui a démenti, parce qu'il y a M23 qui l'avait déjà accusé d'être également à la base de ces attaques. Il y a l'armée qui a démenti cette information pour dire que l'armée, elle est là, elle observe, elle ne fait rien. L'armée, elle est intacte. Elle observe et les affrontements qui se sont déroulés, je dirais, il y a à peine 5 jours, parce que depuis quelques jours de cette semaine, depuis les week-ends, il s'observe toujours des affrontements sur différentes lignes de front, sur différents champs de bataille. Et ça, ce n'est que la population. La population qui a accepté de prendre les armes, vit la mélancolie, vit les exactions que les rebelles M23 ont déjà eu à commettre vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de nos compatriotes. Et c'est là où cette population est en train d'agir par vengeance. Donc c'est de la vengeance, c'est cet esprit, c'est cette motivation de chercher à en finir une fois pour toutes avec les rebelles M23 qui a poussé effectivement certains jeunes patriotes résistants de prendre les armes et combattre du côté de nos FARDC. Surtout, notre constitution nous donne au moins ce pouvoir à son article 63. Oui, parce que on nous dit lorsqu'il y a une agression extérieure, tout Congolais est appelé à user de tout ce qu'il a comme moyen afin de faire échec à cette agression. Et c'est ainsi que nos compatriotes, des jeunes conscients bien sûr, courageux, se sont dit « Niette, nous devons en finir une fois pour toutes avec cette question de M23. » Parce que c'est inadmissible que nous puissions vivre les mêmes scénarios pendant autant d'années possibles. Et je dirais, c'est comme si c'est une même équipe de football, mais on ne fait que changer de varèse. Parce que ça date, hein? Depuis 1994, 98, c'était venu avec la FDL. Ils ont changé de nom. C'est devenu CNDP. CNDP, actuellement, j'ai sauté d'ailleurs les RCD. Donc, AFDEL, RCD et puis CNDP. Le CNDP, le 23 mars 2009, c'est devenu maintenant M23. C'est ce qui nous dérange actuellement. Alors, jusqu'à quand continuerons à subir ces atrocités? C'est là où la population a dit niet, la jeunesse veut en finir une fois pour toutes avec la rébellion de 23 et que ça puisse appartenir maintenant à l'histoire de l'humanité, à l'histoire de la RDC, à l'histoire de la sous-région des Grands Lacs. Et là, vous êtes déterminés, vous, Azalendou, et vous n'allez plus reculer. Nous n'allons plus reculer. Et d'ailleurs, c'est là où nous sommes en train toujours d'encourager la population, parce que depuis un certain moment, il s'est déjà observé un changement de mentalité. À l'époque, la population, une grande partie, lorsqu'il y avait juste quelques bousculades de rebelles du M23, une grande partie de la population prenait fuite. Les mamans, les jeunes, les papas. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Actuellement, on peut libérer les femmes,
et les filles, donc la gent féminine, mais les hommes et les jeunes restent dans leur village en train de patienter parce que on ne saura pas continuer à devenir nomades, à devenir étrangers dans notre propre pays. Donc c'est inconcevable. Nous ne sommes pas une population nomade. Parce que vous savez très bien, ce qui dérange aujourd'hui les Rwandais et la communauté de M. Paul Kagame, c'est parce qu'ils n'ont pas de terre. Et je souligne très bien, il n'y a aucun peuple sans la terre. Vous allez voir, si il y a la guerre jusqu'à aujourd'hui entre les Palestiniens et l'Israël, c'est parce que les Israélites, les Israéliens n'ont pas de terre. Et maintenant, la communauté internationale, les États-Unis, vu qu'ils exploitent les peuples israéliens, c'est là où ils cherchent à se faufiler, ils cherchent à créer un État pour Israël. Et c'est ce qui dérange. Et nous, pour la terre, nous sommes prêts à faire tout ce qu'il faudra pourvu que nous puissions défendre la terre de nos ancêtres. Parce qu'il n'y a aucun peuple sans la terre. Et ce qui dérange actuellement, c'est question juste de voir. Même l'Ouganda, que ce soit le Rwanda, le président rwandais Paul Kagame, tous cherchent à déplacer les bornes, cherchent à déplacer les limites. Donc c'est une question de terre. Et pour la terre, la population congolaise en général, particulièrement la jeunesse, elle est prête à faire tout ce qu'il faudra. Donc, plus question de prendre fuite dans notre propre pays, ne serons plus des réfugiés dans notre propre pays. Nous serons là, tous sommes des hommes, et s'il faudra prendre des armes, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Donc, les rebelles M23 n'ont plus de chance, et ceux-là qui continuent à outiller la rébellion M23, c'est une sonnette d'alarme. Actuellement, avec la mauvaise politique de M. Paul Kagame, je dirais, plusieurs familles au Rwanda sont dépouillées. Plusieurs familles, il n'y a plus de jeunes. On est contraint de venir dans l'abattoir humain, ici, dans les territoires de Masisi, dans les territoires de Nyiragongo, dans les territoires de Rutshuru. Donc, je dirais partout dans la province du Nord Kivu. C'est l'abattoir ici, l'abattoir de l'armée rwandaise, l'abattoir de tous les jeunes rwandais que M. Paul Kagame continue à contraindre à venir dans un mouroir ici. Maintenant, au Rwanda, je dirais, il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus d'hommes. Et là, il y a beaucoup de veuves, il y a des jeunes filles qui désespèrent à des mariages. Et c'est pourquoi, vous allez voir, on les déverse encore, ces jeunes filles là-bas, on les déverse ici, au Nord Kivu, pour venir encore infiltrer notre pays dans des cabarets, dans des ngandans, dans des hôtels, et pour encore faire chuter certaines de nos autorités. Donc tout ça, c'est la politique de M. Paul Kagame. Et maintenant, pour ça, nous alertons la communauté internationale qui continue à s'entêter, qui continue à faire de l'hypocrisie en fermant les yeux face à ce que moi je qualifie de crimes contre l'humanité. Parce que lorsque on contraint quelqu'un d'aller sur le champ de bataille sans son gré, là, d'office, c'est un crime. Et il faut voir quel effectif que M. Paul Kagame a déjà déversé dans les mouroirs ici au Nord Kivu. Mais les conséquences déjà de ces affrontements qui ont repris, déjà on observe un déplacement massif en tout cas de la population. C'est ce que je suis en train de dire. Ce sont les femmes et les filles qui prennent fuite. Ça c'est tout à fait normal. Maintenant les hommes sont là pour protéger les terres. Mais vous, est-ce que vous ne devrez pas attendre pour qu'on attende la décision finale des chefs d'État? Là, quand je parle de vous, les Ouazalènes qui se battent maintenant là. Non, nous sommes les souverains primaires. Nous sommes une population victime, une population longtemps meurtrie. Comme je l'ai dit, c'est la vengeance, c'est la mélancolie qui est la grande motivation dans la prise des armes de nos jeunes Ouazalènes. C'est juste ça. Il n'y a rien d'autre que ça. Et c'est inconcevable lorsque vous assistez à la décapitation de vos frères. Là, parmi les jeunes Ouazalendo, il y a de ces jeunes dont les M23 ont déjà tué, je dirais, toute leur famille. Et maintenant, par désespoir, c'est dit non, c'est inconcevable.
par vengeance, ils ont dit non, non. En tout cas, nous ne devons plus, il n'y a rien à protéger. S'il faudra mourir pour notre terre, en tout cas, je prends les armes. C'est l'unique motivation. Maintenant, la question liée à la finalité des résolutions diplomatiques avec cette organisation hypocrite de l'EAC qui travaille effectivement pour les intérêts de la communauté internationale, parce que c'est la communauté internationale qui téléguide l'EAC partant de certaines décisions. Et nous nous sommes dit, ok, comme vous, communauté internationale, vous complotez contre la RDC, nous voulons voir la finalité de votre plan. Mais quant à la population, quant à elle, ne va pas patienter. Si les M23 étaient au moins des hommes sérieux, s'ils étaient effectivement des humains, parce que moi, je ne vois pas s'ils sont des humains, ce sont des criminels, ce sont des terroristes, ils ne devraient pas violer les cessez-le-feu, comme ça a été la résolution. Est-ce que c'est l'M23 qui viole ou bien c'est vous, les jeunes, qui êtes à la base? Non, non, c'est l'M23 qui viole les cessez-le-feu. C'est l'M23 qui a lorsque ils cherchent à déborder dans le territoire de Masisi. Pourtant, normalement, leur cantonnement devait se faire à Tchanzu là-bas, Rumangabo. À Rumangabo, partout ailleurs. Mm-hmm. Allez-y comprendre. Maintenant, vous voulez que la jeunesse fasse quoi? Rumangabo, là où le ministère a dénoncé, on a alerté d'un atterrissage d'un avion rwandais. C'est ce qu'on doit dire. Je suis en train de dire ça. Donc, ça, c'est une forte humiliation. Donc, ce sont des éléments qu'il faudrait réunir pour arriver maintenant à prouver tout ce qu'il y a comme complicité de la communauté internationale dans ces affaires. Lorsque un hélicoptère se permet de violer l'espace aérien et l'intégrité du territoire national congolais, aux vies et aussi de tout le monde, sans qu'il y ait une quelconque communication de la communauté internationale, allez-y comprendre où est-ce que nous en sommes. Donc c'est pourquoi nous, étant la population victime, étant la population, le peuple souverain, on s'est dit, niette, nous devons faire face à cette agression comme elle va se présenter. Et on ne va pas baisser les bras. Surtout que nous savons très bien, nous sommes en train de faire face au monde entier. Au monde entier comment? Au monde entier, lorsque les États-Unis, la France, la Belgique, l'Angleterre et d'autres pays hypocrites de l'Union européenne. Mais quand vous citez toutes ces grandes puissances, là, sont derrière le Rwanda. C'est pas question d'avoir des partenaires. Ok? Mais partant de la guerre, au moins nous savons déjà qui sont derrière le Rwanda. Mais le Rwanda et les autres ne savent pas qui sont derrière nous. Et c'est ça même notre force. Et au-delà de ça, laisse-moi souligner, à part les faits qui ne savent pas ceux qui sont derrière nous, mais il y a aussi nos ancêtres. Ils sont aussi sur la ligne de front. Effectivement, ils sont avec nous. Ils se battent avec nous. C'est mystique. Et c'est ça même la force de nous les Bantous. Mystico-religieuse alors? Pas une secte, c'est la population. La population générale. Et nous sommes là, on est fiers de ça. Nous sommes fiers de notre culture. Merci. Voilà. On va parler de cette rencontre du président Tshisekedi et de l'ancien président tanzanien. Jakaya Kikwete. Il faut d'abord préciser, tu vois, que le chef de l'État s'est entretenu avec Jakaya Kikwete, ancien président tanzanien, et président du groupe des sages de la SADC. Ils ont parlé des élections et de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà. Jakaya Kikwete a affirmé que Tshisekedi l'a assuré du bon déroulement du processus électoral en cours. Il a annoncé que la SADC enverra une mission d'observation électorale en RDC. Nous souhaitons aux Congolais beaucoup de succès dans ce processus, a-t-il déclaré. Les élections approchent. Hein. Les élections doivent bel et bien avoir lieu. Et le président Félix Antoine Tshisekedi, il a tout intérêt d'organiser les élections. Je dirais, il a une grande partie, la confiance de la population, mais aussi, il est déjà à un niveau diplomatique un peu élevé où il doit concrétiser certains de ses projets.
Mais il y a Martin Fayoulou déjà qui doute de la tenue des élections dans les délais. D'ailleurs, il ne faudrait pas nous parler de l'opposant Martin Fayoulou. Lui-même, il était non partant au départ aux élections qui pointent à l'horizon ici 2024, 2023, le décembre. Maintenant, nous ne savons pas par quelle baguette magique, nous ne savons pas qui les ont poussés, qui l'a poussé de venir postuler. Et c'est là où il faut toujours que la population soit tellement prudente par rapport à de telles personnes. Il faut placer des points d'interrogation. C'est-à-dire, apparemment, dans leur colloque, déjà des complotistes contre la nation, avec des signatures, des accords flous et sombres contre la République, on l'a soufflé. On a dit, messieurs, il va postuler. Il y a quelque chose qui se prépare. Nous savons très bien ce que nous allons faire pour vous. Et cette ingérence, c'est ce dont nous ne voulons pas. Et maintenant, les élections auront bel et bien lieu. Et toute la population doit être préparée par rapport à ça. C'est pourquoi d'ailleurs nous profitons de cette information pour alerter et informer la communauté tant nationale qu'internationale par rapport au début de la campagne civique et électorale. Parce qu'une grande partie de la population congolaise ne maîtrise pas la question liée aux élections. Vous allez voir quelqu'un, il vote comme président Fayoulou, il vote un député de l'ensemble national, il vote un député, je ne sais pas de quel parti. Donc, vous savez, ils ne savent pas ce qui cadre avec les questions électorales. Ils ne savent pas la notion de majorité parlementaire. Si vous votez, par exemple, tel président, il faudrait choisir un député qui se trouve effectivement dans son regroupement, dans son même parti. C'est ça. Tu ne peux pas mélanger. Tu votes un député de l'ensemble et puis tu pars voter un président de l'IDPS. Donc ça, ce sont des questions que nous allons aborder dans notre campagne civique et électorale. La présidence a éclairé l'opinion concernant les rumeurs d'un éventuel dialogue qui devait faciliter l'ancien président tanzanien. Ce dernier a déclaré qu'il ne s'agissait d'un gros mensonge sorti du laboratoire des nostalgiques et désespérés politiques. Mais oui, donc allez-y comprendre, lorsqu'il y a une course électorale, donc c'est une bataille, et il y a des contre-campagnes dans les buts toujours de discréditer les camps adverses. Ça, c'est tout à fait normal. Ce sont des faits qui s'observent lorsqu'il y a toujours élection. Et heureusement, il faut toujours avoir des arguments pour éclairer au moment opportun la population qui est totalement distraite. J'étais en train de dire par rapport à la campagne d'éducation civique et électorale, il y a du méli-mélo que la population doit ôter. Et nous sommes là pour ôter cette confusion. Maintenant, partant de la visite de l'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete, oui, la Tanzanie, si vous avez observé, la Tanzanie, c'est vraiment un pays tellement sage et ami envers la République démocratique du Congo. Elle n'a pas voulu participer dans cette conglomérat de complotistes contre la nation de l'EAC. La Tanzanie n'a pas envoyé ses troupes parce qu'elle savait très bien qu'avec ces gens de l'EAC, nous n'aboutirons à rien comme solution. C'est un clic des complotistes contre la RDC. Et voyant que la Tanzanie, c'est un pays frère à la RDC, c'est un pays ami avec qui nous avons en tout cas de bonnes relations, la Tanzanie a jugé mieux de s'abstenir à ne pas envoyer ses troupes dans ces conglomérats de complotistes merci, contre la nation. Merci d'avoir été là ce matin. Merci pour votre intervention en direct sur Congo Live. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Nous sommes disposés, messieurs les journalistes. Merci, bonne journée à vous. Et nous suivons, il faut suivre également aussi de près ce qui se passe dans les Massissi. Hein. Oui, et d'ailleurs, nous devons aussi organiser une descente dans les Massissi. Avec vos collègues qui sont là, de Wazalem. Nos amis, nos collègues, oui. Pas dire collègues. Vos amis, alors. Nos amis, nos connaissances, nos compatriotes, nous sommes en contact avec merci, eux. Merci, cher Placide, pour le boulot que vous faites en tant que Wazalendo, parce qu'on a vu... Oui, il y a des Wazalendo armés, nous sommes des Wazalendo. Vous
qui utilisent uniquement notre bouche pour sensibiliser la population. Il y a les Wazalendo civils et les Wazalendo qui ont accepté de prendre les armes. Merci mesdames et messieurs, bonne journée à tous et à toutes. Bye bye. Bye bye.